Alors, la rencontre d'aujourd'hui qui a porté sur le thème des défis des démocraties face à un monde en transformation accélérée a été inaugurée par l'intervention de M. Pandas qui nous a parlé plus ou moins de les grandes transformations qui ont lieu aujourd'hui à travers le monde. Et puis il a focalisé sur les droits de l'homme en Espagne. Et puis à ce sujet-là, il n'est pas de mauvais temps de parler l'expérience du Maroc, et surtout que il a parlé d'une affaire de culture. Il a dit que la démocratie doit prendre en considération les cultures. Et il faut ne pas perdre de vue que le Maroc a une culture qui est totalement différente des pays scandinaves ou de l'Angleterre ou de l'Espagne, et que par conséquent, la question de la démocratie ne doit pas être apprécié à l'aune de ce qui se passe à l'extérieur, en prenant en considération certes le fait qu'il y a certains principes qui sont universels, mais il y a des spécificités qu'il faut prendre en considération. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la question de la démocratie fait sembler, fait penser un petit peu à la question du prêt-à-porter. Il n'est pas question de prendre un costume ou un habit d'un étranger et de se le mettre. Il faudrait l'ajuster selon ses propres besoins afin qu'il nous sied et afin qu'il puisse répondre à nos attentes.